Hey hop tout le monde, bienvenue pour du LP, j'espère que vous allez bien tranquillement se retrouver bas sur le LP. Alors, comment vous dire, je suis en train de faire une grosse production de... Ouh, attention le son. Son. Voilà. Ah, le son est quand même mieux, ça fait plaisir. Hein. Donc, tranquillement, je suis en train de préparer des belles choses, qui veut dire... une induction cell et je suis en train de repréparer une induction provider pour mettre dans la casing histoire plus d'avoir d'énergie encore plus et encore plus. Du coup, tout est en train de se faire tranquillement et j'ai remarqué aussi que mes disques commencent à être pleins par moment. Bon, là je viens de lancer un craft donc ça prend du temps, mais du coup voilà un petit peu tout ce qu'il y a, besoin, donc ça prend le nécessaire. Cependant, le problème étant que, y a des minerais qui vont me servir à rien, mais vraiment à rien par moment. L'ardite, le cobalt, ce genre de choses, bah c'est bien beau, mais ça me sert à rien. Alors, et après, il y a le draconium aussi, il faudrait peut-être que j'arrive à le faire pulvériser comme je veux. C'est vrai que je pourrais passer en mode comme ça constamment, tiens. Lightning Crusher, Grinder, Recycler, Crusher comme ça. C'est vrai que le Crusher comme ça, ça peut être pas mal. L'Arc Furnace, Electric Pulverizer. Ouais. Mais cette version, je la trouve bien. Personnellement. Donc, Draconium. J'en ai 10102. Ouais, ça va. Draconium, du coup. Hop. Ouais. Attends, j'ai un jeu qui me demande d'être à jour. Pouf. Hop, on va le mettre. Alors, du coup, on va se faire le petit Draconium, hein, tranquillement. Donc, on va se faire ça. Pouf. Voilà. L'engineering. Que tu me repasses ça. Pouf. Pouf. Voilà, ça me fait une poudre. Alors, pourquoi je passe comme ça? Parce que ça évite de faire une grosse machine, tout le tralala. Et notamment, il va falloir que je fasse une autre interface. Moléculaire. 2, 3, 4, 5. Voilà. Il y a du gros craft, hein. Donc, c'est. Ça craft bien. C'est ça que j'aime bien dans Reply, c'est que tu peux faire beaucoup de choses en très peu de temps. Oh, qui est tout mignon, qui est petit, tout petit. Je suis en train de regarder Twitter en même temps. Voilà, donc, du coup, tranquillement, ça, c'est en train de crafter. Tac, tac. Ah, bah, c'est bon, c'est déjà crafté, c'est magnifique. C'est ça que j'aime bien parce que les machines sont complètement différentes les unes des autres, donc, du coup, on peut faire des belles choses. Donc, c'est l'avantage, on peut rajouter encore des belles. Petite chose ici, pouf pouf, ah c'est magnifique, hop, draconium, alors nous en avons 10105, alors du coup, 10105, hop, calculation en cours, c'est vrai que, disons le processeur il a besoin de calculer pour vérifier ça, mais des fois c'est tellement long, que vaut mieux refaire la manœuvre et bah non parce qu'il est déjà en craft. Ok. Non mais je te demande juste de calculer combien tu fais ça pour faire ça. C'est non, il n'y a pas besoin de prendre les 5000 et quelques. Tu veux pas les 5000 directement au cas où? Ah oui, tu calcules aussi. Ah ouais, t'es vraiment lent comme PC. Hein. On devrait pas te rajouter de la RAM des fois que. Ce serait tellement cool de rajouter de la RAM. Parce que là-dessus, bah, ça marcherait bien, mais... En fait, à mon avis, il craft déjà tellement de choses qu'il a un petit peu du mal. Ce qui est con, hein, d'ailleurs, mais... Hop. Vous voyez, en fait, les disquettes sont pleines et ça prend le relais, en fait, sur celui-ci. Ça commence à aller là-dessus, donc... Bon, c'est bien beau, c'est pas trop ça le problème, mais disons que... J'aime bien cette lignote. Pip. Boop, bip, boop. Bip, bip, bip. Alors, ce qui manque un petit peu dans Applied, c'est que au moment qu'il y a des items qui vont dans les disquettes, que cette lignote, ça pourrait rendre tellement bien,
Mais non, ça veut pas, donc c'est un petit peu dommage, je suis un peu déçu sur ça, mais bon, c'est pas très grave. J'ai aussi modifié, je suis plus sur Voila, mais sur The One Prodder, doit être comme ça, en fait, qui m'indique en fait tout simplement les RF qui se trouvent dans certaines machines. Je trouve ça nettement mieux que Voila Cocodé. Parce que du coup, concernant Wyla, c'est bien beau, mais en fait, on pouvait pas savoir l'énergie qu'on avait, par exemple, dans ça. Ah d'accord. En fait, je freeze quand je record. Ah, c'est bizarre, parce que quand je recordais pas, bah, je freezais pas. Là, tu vois, il y a 1 million de RF en stock, hein, bien sûr, et avec 157 000 dans le Solar Tier 3. Donc, je trouve ça vraiment magnifique. Et celui-là, il en a 1 million. En stock, et c'est un tier 4. Donc lui, c'est un ore miner. Ok. Et lui, c'est un ressource. Ok, c'est un ressource. Lui. Alors, il y a aussi le petit souci que ça, il faudrait que j'augmente le truc parce qu'en fait, voilà, c'est que en fait, elles sont vides. Alors, je ne sais pas pourquoi, si c'est ça ou ça qui a du mal à transférer le liquide, mais c'est ultra ultra chiant. Que ça fasse pas ce qu'il faut. Donc, est-ce qu'il faut que je mette des systèmes de fluide derrière qui vont faire en sorte que d'avoir énormément d'eau? Parce que là, cette vitesse-là, bah, en fait, tu vides un drum, il n'y a plus rien. Donc, au niveau des ressources, un petit peu la dèche. Il y a aussi un truc que je voudrais bien faire, ce qui est le Lightning Rod, d'Environmental Tech. Qui se trouve ici, le Lightning Rod 4 tier 4. Lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est tout simplement comme pour quand il y a la pluie, ça attire les orages, donc ça sert de paratonnerre. Mais grâce à ce paratonnerre, en fait, ça génère 32 millions par strike. Ce qui est quand même pas dégueulasse, hein, il faut dire ce qu'il est. Mais voilà, pour ça, il faut des structures blocs, des lightning rods, et ainsi de suite. Donc, du coup, bah, ça, je suis bien content de le faire, hein, il faut dire ce qu'il est. Chrome ne répond pas, tu te fous de ma gueule? À chaque fois que je mets une vidéo, il y a Chrome qui me dit je ne veux pas démarrer. Oui, bah si, tu vas démarrer parce que je te l'ordonne. Oh là 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 là, je te jure. Hop. Voilà. Non mais. XSplit c'est bien. Chrome, des fois, c'est un peu de la merde hein, pour y ouvrir des choses. Et ça veut pas. Oups, on monte vite et on roule vite. Hop là, c'est magnifique. Du coup, les inductions, celles. Induction. En direct, t'as buggé. Ouais, t'as dû bugger réellement en fait. T'as buggé sur quoi? Sur de l'iron qui te manque. Ok. 182 Iron 182, ça fait combien de stacks? 2 stacks plus 54. Normalement, c'est bon. Alors, tu vois, ça, c'est un petit peu le problème, en fait, des fois, quand tu demandes ce genre de craft assez lourd, c'est qu'il oublie des choses. Mais il oublie du genre, réellement, il capte pas comme quoi t'as ça. Tu demandes ça, donc du coup, c'est un peu chiant. Mais normalement, ça devrait être bon. Et il demande 344 autre chose. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 5 stacks plus 24. 5 stacks plus 24. Ah, c'est l'os même. Ah bah voilà. Les 5 stacks plus 24 qu'il avait commandé, en fait. Ah, Blood Moon, ok. Ah, en fait, il les avait gardés, mais il les avait pas envoyés. Ouais, c'est chelou des fois. Tu vois, des fois, il comprend pas. Et du coup, bah, il le craft aussi vite maintenant. Voilà.
Très bien, il va les crafter assez rapidement, donc c'est ça qui est cool. En fait, une fois qu'il les a en stock, il est content, hein. Et 30 secondes environ. Ça pourrait être long, hein, mais ça va. La petite info, je pars du 23 au 27 décembre en famille, donc du coup, je vous ferai des vidéos en avance, mais moi je les aurai pas forcément en retour au niveau des belles petites choses, des commentaires que vous allez mettre. Ah oui, tiens, j'oublie un truc. Un truc très important. Comment? Il y a ce matin, j'ai reçu un petit email comme quoi il y avait quelqu'un qui m'avait tips. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique, la personne qui l'a faite, de m'avoir tipsé en fait directement. Et du coup, je voudrais remercier Christelle C pour son tips, parce que ça fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir ce tips-là. Donc, grand merci à toi pour ton gros tips de 20 euros. Ça fait vraiment plaisir au réveil de voir un message de people. Vous avez reçu un tips de 20 boules. Ok. Eh bah, ben, ça fait vraiment plaisir. Donc, tu me diras. Comment? Tu me diras ce que tu voudras pour un genre de. Ah, comment on appelle ça? Une armor stand environ. Parce que je voudrais bien te mettre en fait l'armure juste en dessous, là, celle-là, la Wyvern, comme style avec ton pseudo et ton montant. Je voudrais bien faire ça. Mais il me faudrait ton pseudo pour l'instant, j'ai juste Christelle.c. Je vais pas dire ton nom. Hein. Mais voilà, en tout cas, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Ah tiens, on va peut-être le faire. On va peut-être le faire maintenant, pourquoi pas. Je voudrais bien un petit peu faire plus de choses. Voilà, 5 par 5. Ah, c'est bien, il t'indique ce que tu vas miner. Oh, j'adore le dig là. Du 5%, c'est tellement cool. Hop là. Voilà. Oh, salut Creeper. Hey Creeper qui pop comme ça, hein? Easy, hein, tranquille. Ici. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça j'ai un coin tranquille. Donc, tac, il me faudrait aussi une touche pour histoire de. Genre tu pop. Genre tu pop comme ça toi. J'adore les flèches rouges. Bon, en même temps c'est avec la Blood Moon qui fait que les flèches sont rouges, mais sinon c'est pas mal aussi. Et notamment je voudrais bien faire aussi autre chose qui est de jeter des minerais que je n'ai plus besoin. Je voudrais bien faire le Lightning Rod. J'ai beaucoup de choses à faire finalement aujourd'hui. Donc on va se faire la petite chose là. Je vais mettre de la diorite et du granit. L'avantage d'en avoir des tonnes. Voilà, diorite. Voilà, c'est magnifique. Tous les 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Hop. Voilà les 5 là. Bon, ici c'est de la diorite machin. Ici on va se faire ça.
Salut. On va se faire ça tranquillement. En fait, il peut parce que même si je suis là, il s'en fout de sachant que c'est la Blood Moon. La Blood Moon, en fait, elle fait en sorte que s'il y a des. S'il y a une. Comment non, ici c'est du blanc. S'il y a de la lumière. S'il y a le joueur plutôt et qu'il y a quand même de la lumière, bah ça pop. Mettrai bien du bois ici avec de la lumière. Faudrait que je mette de la vitre ici. Histoire 2. Ouais, ça pourrait être sympa. Notamment ici. Tiens, tu vois? Il y a des creepers qui pop. Alors, en fait, ils s'en foutent du moment qu'il y a des. Il y a ce qu'il faut qui pop. Et puis, du coup, hop. On va se faire un petit sol plutôt tranquille des familles. Ouais, c'est aussi de la diorite ici. Hop. J'aime bien les trous que je fais. Ah, d'ailleurs, attends, j'ai une wand. J'ai une bulle d'une wand. Ah, c'est-il pas beau? C'est-il pas beau? C'est-il pas beau? Voilà. Ah, bah, c'est beaucoup plus vite, hein. C'est mieux. C'est beaucoup plus vite. Ouais. Sa poubelle. Hop. Magnifique. On va se prendre quelques petites torches histoire de d'éclairer. Voilà. Voilà, magnifique. Touk. Alors. Et bah pourquoi pas te faire un petit socle en 64K, tiens. Pour le premier tips du LP, pourquoi pas te faire un gros truc, hein? Histoire d'être en 64K, tiens, posé, hop. Ça pourrait être pas mal, hein, ça pourrait être pas mal. Sachant que je voudrais bien faire comme ça. Voilà. Et puis éventuellement, s'il n'y a plus de place, bah, c'est pas très grave. Je ferai tout ce qu'il faut. Hop. Voilà. La 64K, elle est prête ou pas? Bah, il est en train de se crafter, donc ça c'est plutôt rapide, ça va. Dommage qu'il les crafte pas tous en même temps. Hop, 64K, je le pose là. J'aime bien, on dirait que le truc il est alimenté, mais pas du tout. Armor stand. C'est comme ça, bah on va pouvoir te faire quelque chose de tout à fait gentil, mignon. Wyvern. Corps. Wyvern. Wyvern corps. Il m'en faut 3. Tac, il m'en faut 4 ici. Magnifique. Et il me faut un casque. Le plastron. Les bottines. Et je te mets ça aussi. Voilà. Je te fais le casque, bon, qui va se remplir, ça c'est pas trop un problème. Le corps, le haut et la bottine. Voilà. Et du coup, on va se faire ça là. On va lui dire de mettre le chapeau. Ceci, cela et cela. Ah bien, et puis ça se recharge tranquillement. C'est fou, hein. Il faudrait une petite tête. Qu'est-ce que je pourrais te mettre comme petite tête dessus, tiens? Petite tête de creeper. En fait, les têtes de creeper, j'en ai beaucoup, je crois. Aide. Ah non, une tête de zombie, j'en ai beaucoup plus. Ces têtes de creeper, c'est important. Ah. Oh, bah, je vais te laisser la tête normale, en fait.
Bon, bah voilà, en tout cas, je vais pouvoir mettre un petit panneau. Sign up. Pour ton premier tips. Alors. Hop. Tips. Le 12, 12, 16. Christelle. Alors, comment ça s'écrit déjà? Christelle. Éventuellement. Ça doit être ça. Et c'est 20 boules. Voilà. Tips, le 12-12 de Cristal. C'est, hein, parce que j'ai pas ton pseudo. Et pour ton tip de 20 euros. Donc, pour ceux qui le veulent tipser, faites comme madame, mademoiselle. Vous mettez votre tips, même si je suis pas en live, hein, vous pouvez y aller, hein, moi je les repère aussitôt. Et puis dans l'épée, bah, je mettrai du coup le pseudo, le nom comme elle. Hein. Puis je mettrai des 64K parce que c'est la classe. Hein, donc, hop. Tu vois. Allez, du coup, maintenant on va peut-être continuer à faire ce qu'on voulait faire, hein, qui était Environmental Tech, les Lightning Rods. On va se faire un petit champ bien pété des familles hein, pour mettre des gros câbles là-bas. Tiens, de Solar Core, Solar. Ah, cool, j'ai les câbles de l'infini. Oh putain, c'est des blocs de diamants. Oh. Diamant, 35K. Ouais, ça va, c'est pas non plus folichon, mais c'est important. En fait, ça transfère de l'infini, donc je trouve ça vraiment classe. Du coup, on va se faire, du coup, les lightning. Ça va être un épisode long aujourd'hui, mais vous aimez ça, donc du coup, parfait. Iron Block. J'en ai 96K, donc je peux en mettre 100 en bloc, hein, c'est pas trop un problème. Voilà, par contre, il me refaudrait des patterns, s'il te plaît. Lightning rod, pouf, pattern. Lightning normal, gold block, stone, glace. D'ailleurs, en parlant de ça, de la stone, est-ce que j'en ai. Oh, j'en ai 25K, bah ça va, et en plus, je peux en crafter, donc c'est un bonheur. Voilà. On va se faire un lightning. Oh! Ah oui, de Blood Arsenal. Putain, c'est cool. Ensuite, me refaut ça, des blocs de diamants cette fois-ci. Des blocs de diamants. On va s'en faire 10. Voilà, blocs de diamants, c'est trop cool. Oh yeah. Voilà, 3. Et en fait, ce qu'il faut d'autre après, bah, c'est la version 3. Donc c'est un hop, stabilisé. Voilà. On va aller en bas. Donc ça c'est le tiers 1 qui va au tiers 2, 3 et 4. Qui on met ça et qu'on met ça. Qu'on revient là, on reprend le petit lightning en tiers 2. Ça en fait 2 hein, parce que c'est la classe. Voilà, qu'on se fait en tier 3. Ah, j'ai pas les stabilisés. Ah oui, j'en ai fait qu'un. Bah, c'est pas ça non plus. Iron. Voilà, en tier 3. En petit pattern, pouf, voilà. Donc j'ai le tier 3. Et maintenant, je vais passer au tier 4. Il me faut des stars. Hop là, on va s'en faire 4, hein, histoire de YOLO. Easy, easy. Hop. J'ai pas un achievement avec les lightning. Environmental tech. Nadeo Beacon. Assemblée tier 1. Je suis obligé de passer par le tier 1 directement. Je pourrais pas faire le. Lightning 4, histoire 2. Non, non, histoire 2. Star.
Voilà. Alors, on va faire la beauté du geste. Par exemple, on va se faire le tir 1. Même si le tir 1, en fait, je m'en tape un petit peu. Oh, fiché ce truc. Voilà. Ça sert quand même d'avoir des doubles écrans de record dans une 80 quand même, Isiponé. On va se faire quand même plutôt pas mal au niveau de l'épisode. Peut-être le faire en deux parties. Je vais assembler le tir 1 et dans le prochain épisode, on va continuer à faire ce qu'il faut. On va se faire des champs entiers de lightning ici, ça pourrait être tellement bien. On va rendre une zone industrielle, hein, histoire de bien dire ici c'est ma place, vas-y. Hein. On pourra mettre des gros chunk loaders de sa mère. Et on sera plutôt tranquille. Alors, structure. 2 tiers 1. Il m'en faut 4. Waouh. Des lights. Rod. Il m'en faut 3. Et des. Ah non, un sulled, il m'en faut un de plus. Et lui, il m'en faut 3. Voilà. Lightning 1. Pouf. Voilà. Donc, on va se le poser, hein, histoire de dire, oh, ici c'est bon, j'ai posé le ce qu'il faut. T'es obligé de me le faire là, en fait. Ouais, Achievement Gate. Ouh, c'est magnifique. Voilà. Tu vois, j'ai tout pété. J'ai tout pété directement. Et puis là, on va se passer au tier 4. Oh, ça va être magnifique. Lightning. Alors. Et au pire, on va se faire directement ça. Environnemental Tech. Lightning Rod tier 4. Boum. Ok, il me l'a déjà crafté, très bien, mais il est rapide dans le milieu. Tier 4. Structure tier 4. Il m'en faut 13. Faut 13 Nether Star. Ouais, plus que 11, sachant que j'en ai déjà fait. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va péter. Lightning Rod, il va m'en falloir. Ah lui, il m'en faut 29, donc il m'en faut 23 de plus. Voilà. Et Lightning Rod, comme ça, il m'en faut 8. Voilà. C'est moi, il ne les pose pas. Ah. Les items frame, en fait, ça... Ok. Ah, c'est pas cool. Par ici la monnaie. Ouais, je vais attendre un petit peu pour qu'il pète. Boum, 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 boum. Pam. C'est bon? Ouais, le dernier. On dit 95, 100. Ils ont combien de PV eux déjà? Je m'en rappelle plus. Ah, 150. Ok. Je m'en rappelais plus qu'ils en avaient 150 les pépères. Ok. Et du coup, les 13 magnifiques. Donc, maintenant, ceci étant fait, on va se délimiter une grande zone quand même. Notamment, à partir d'ici. Ouais, ça pourrait être pas mal à partir d'ici, faire une grande lignée. On peut la faire en diorite. Voilà. Partir d'ici, tu vois. Sachant qu'en fait, c'est du 3 par 3. Obligatoire, c'est du 3 par 3 le machin. Donc on peut se faire une lignée, par exemple, de 3 par 3.
Voilà. Hein? Bon, ça, bien sûr, je les déplacerai dans le sol. Quoique, je vais peut-être les laisser à hauteur qu'il faut. On va mettre la base adéquate là. Le lightning ici. Quoique, peut-être le lightning juste au-dessus, quand même. Histoire de que ça fasse pas non plus enterré. Et du coup, on va pouvoir l'assembler. Magnifique. Power Red Bat Lightning 2. Voilà. Un petit peu l'effet que ça fait. Donc j'espère qu'en tout cas, ça va vous plaire. Parce qu'il va y en avoir une chier de ce truc comme ça. Ça va être magnifique, magnifique, magnifique. Et bon, pour l'instant, je mettrai des torches. Hein, parce que c'est mieux quand il y a des torches. Mais voilà, en tout cas. Ici, c'est un deuxième. Donc, tac, tac. Là, c'est un deuxième. Donc, tac, tac. Voilà. Et du coup. Ah, je t'ai dit quoi? Voilà. Et ici, je vais remettre un autre lightning. On peut en recommander s'il le faut. Lightning, et puis en même temps, tu vois, je vais même pas me faire chier. C'est que je vais mettre un petit pattern lui disant que ça fait ça, et tu le fous là-dedans. Voilà. Comme ça évitera que j'en recommande des autres. J'ai juste à demander un Lightning tier 4. Qu'est-ce que je pourrais demander comme truc pour faire de l'énergie? Je ne sais pas, je vais voir. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. J'espère que ça va vous plaire. Il y a des gros champs comme ça qui vont se mettre, donc quand il y aura des orages, bah ça va faire boum 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 boum. Ça va être magnifique. Voilà, sur ce, bisous tout le monde, c'était Épée, à la prochaine, ciao!